Bonjour et bienvenue dans ce tuto de Zoom. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sur cette plateforme afin que vos examens oraux et écrits se déroulent de la meilleure façon possible. Alors, qu'est-ce que Zoom ? Zoom est une plateforme de partage qui va vous permettre de réaliser vos examens avec des enseignants en live. Est-il nécessaire que je télécharge et installe l'application Zoom sur mon ordinateur avant mon examen oral ? La réponse est oui, il est indispensable de télécharger la version bureau de Zoom pour être sûr qu'il n'y aura pas de soucis lors de votre examen. Rendez-vous à l'adresse zoom.us/support/download. Sur cette page, vous allez pouvoir télécharger la version de Zoom Mac ou PC. Lorsque cela est fait, cliquez sur Zoom pour pouvoir l'installer. Vous allez arriver sur cette fenêtre. Attention, il est indispensable de vous connecter avec l'authentification unique. Cela va vous permettre de pouvoir vous connecter à toutes les réunions de vos professeurs. L'authentification unique est donc unil.zoom.us. Vous allez arriver sur cette page où il va falloir mettre votre identifiant UNIL ainsi que votre mot de passe. Par défaut, vous pouvez laisser cocher « Me redemander si les données transmises à ce service devaient changer » et accepter. Vous allez arriver sur la page du navigateur de Zoom de l'UNIL et vous allez pouvoir ouvrir Zoom.us. Cela lancera automatiquement l'application que vous avez téléchargée au préalable. J'avais déjà activé mon compte Zoom et installé l'application sur mon ordinateur. Dois-je faire autre chose ? Si vous aviez déjà téléchargé Zoom au préalable, oui, il sera très important de mettre à jour l'application pour avoir accès à toutes les dernières fonctionnalités. Cependant, veillez bien à vérifier que vous vous êtes connecté avec votre identifiant UNIL sur la plateforme unil.zoom.us. En effet, UNIL dispose de sa propre plateforme Zoom. Ainsi, je vous invite à télécharger la dernière version de Zoom avec toutes les mises à jour à zoom.us/support/download. Elle se téléchargera automatiquement et vous aurez accès à toutes les dernières fonctionnalités. Que faire si je n'ai pas téléchargé et installé l'application avant mon examen oral ? Je vous conseille très fortement de télécharger l'application afin qu'il n'y ait aucun souci lors de votre examen. Cependant, si pour une quelconque raison cela n'a pas pu être fait, lorsque vous allez cliquer sur le lien de téléchargement sans avoir été inscrit à Zoom au préalable, vous arriverez sur cette page-là. Vous pourrez alors rejoindre la réunion depuis votre navigateur. Il vous suffira ensuite de mettre votre nom et votre prénom et de rejoindre la réunion. Cependant, lorsque vous voulez rejoindre la réunion, il se peut que ce lien n'apparaisse pas. Dans ce cas, lorsque vous ouvrez le lien, vous annulez, vous cliquez ici, vous annulez à nouveau et le lien apparaîtra et vous pourrez alors rejoindre la réunion depuis votre navigateur. Mais j'insiste, mieux vaut télécharger la version bureau, comme ça vous serez sûr de n'avoir aucun souci le jour venu. Comment puis-je accéder à la réunion sur Zoom ? Pour rejoindre une réunion, vous avez plusieurs possibilités. Normalement, vous allez recevoir un mail avec un lien d'accès pour vous permettre d'assister à l'examen. Ou alors, votre professeur vous aura peut-être donné un lien sur sa page Moodle pour avoir accès au lien. Dans tous les cas, il se présentera toujours comme tel. Pour vous connecter, il vous suffit de cliquer dessus. Vous allez alors être envoyé sur le navigateur et une fenêtre va apparaître vous demandant de rejoindre Zoom.us. Cela va ouvrir l'application bureau et vous connecter directement à la réunion. Dans ce cas-là, par exemple, je ne peux pas encore accéder à la réunion car l'hôte qui l'organise ne s'est pas encore connecté. Pas de panique, car du moment où vous vous connectez, l'hôte va recevoir un message comme quoi vous êtes en attente. Lorsque je clique sur le lien, ce message apparaît. Vous êtes en salle d'attente. Que faire ? Si vous cliquez sur le lien et qu'un message apparaît « Vous êtes en salle d'attente », aucun problème. Cela veut dire que votre professeur se prépare et il acceptera bientôt votre connexion à la salle. Je n'ai pas d'oral sur Zoom, mais un examen écrit. Comment cela va-t-il se passer ? Selon l'examen et selon le professeur, il y aura plusieurs cas de figure. Soit la consigne vous sera donnée oralement, soit elle vous sera donnée en partage d'écran, ou encore par écrit dans le chat. En résumé, n'hésitez pas à demander un maximum d'informations à votre enseignant en ce qui concerne le déroulement de votre examen pour être fin prêt le jour venu. Bonne chance !